Welcome and welcome to Threshing Floor, the Living Church of God International. Thank you.
that feed just the people that feed just the people that's in the hospital. Feed just the people that's in the wheelchair. Now who have we been active? Now why you active versus an account? Le jour de la Pentecôte, nous étions tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leurs apparus séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tout rempli du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit de mer de s'exprimer. Or, il avait en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Il était tout dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlaient, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment tout dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlaient, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comme les entendons nous, dans notre propre langue, à chacune de notre langue maternelle. Quand Médès et la Mythe, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée de la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Aphrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Wolf, Juifs et Procédés, Crétois et Arabes, comme les autres de nous parler dans notre langue, des merveilles de Dieu. Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car la troisième heure du jour, même c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les
dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit, surtout, chers, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous avez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit, de lui je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Aussi mon cœur est dans la joie. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu me permettras que ton Saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître des sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Il est comme qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui même parmi nous, comme était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses desseins sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce que Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, qu'il a reçu du Père Saint, esprit qu'il avait été promis, et l'a épandu comme vous le voyez et l'entendu. Car David n'est point monté au ciel, mais si lui-même le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël chagrin sache donc avec certitude que Dieu
a fait, Seigneur, et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent des cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh, frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont plus loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appela. Et par là, plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, la nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Peter stood up with the 11.
in a loud voice, he spoke the crowd. My Jewish friends, he said, let me explain this to you. All of you who live in Jerusalem, listen carefully to what I say. You think these people are drunk, but they aren't. It's only 9 o'clock in the morning. No, here is what happened, Job. He said, in the last day, God said he put the Holy Spirit on all people. Your sons and daughters are prophecy. Your young men will see visions. Your old men will have dreams. In those days, I will put out my spirit even on those who serve you, both men and women. When I do, there are prophecy. I will show wonders in the heaven above. I will show miraculous signs on the earth below. There will be blood and fire and clouds of smoke. The sun will be dark, the moon with her red of blood. This will happen before the coming of the great and glorious day of the Lord. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. People of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man who had God's right. God did miracles, wonders, and signs among you through. God did miracles and signs among you through Jesus. You yourself know this. Long ago, Jesus planned that Jesus would be handed over to you with the help of evil people. You put Jesus to death. You led him to the cross, but God raised him from the dead. He set him free from the suffering of death. It was impossible for death to keep its hold on Jesus. Then David spoke about him. He said, I know that the Lord is always with me. He is at my right hand. I will always be secure. So my heart is glad. Joy is in my tongue. Mine will always be filled with hope. You will not leave me in the grave. You will not let the Holy Spirit run away. You always show me the path that leads to life. You will find me with joy when I am with you. 29. Brothers and sisters, you can be sure that King David died. He was buried. He's still asleep here today. But David was a prophet. He knew that God had made a promise to him. He had taken in on that someone in David's family line would be the king of Israel. David saw that was a plague. So he spoke about the Christ rising from the dead. He said that the Christ would not be left in the grave. His body wouldn't part in the ground. God was rise. This Jesus, God had raised the same Jesus back to life. We are all witnesses of this. Jesus has been given a place of honor at the right hand of God. He has received the Holy Spirit from the Father. This is what God had promised. It is Jesus who has put out what you now see and hear. David did not go up to heaven, but he said, The Lord said to my Lord, sit at my right hand. I will put your enemies under control. 36. So be sure of this. All you people of Israel, you led you to the cross, but God has made him both Lord and Christ. When the people heard this, their hearts were filled with shame. They said to Peter and the other apostles, brothers,
Peter replied, all of you must turn away from your sins and be baptized in the name of Jesus Christ. Then your sin will be forgiven. You will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is rich in your children. It is also for all who brought with. This is for all whom the Lord our God will choose. Peter said many other things to them. He begged them, said, save yourself from these evil people. For when these people long ago thank you.
Anybody else have another song to sing?